Ça fait partie en fin de compte des rêves qu'on a quand on est jeune, de pouvoir à un moment donné représenter son pays, quelle que soit la forme. La délégation française est venue en force. Ça fait plaisir, ça fait du bien. On sent l'émission qu'il y a autour du stand, on sent les personnes qui sont présentes. On croit vraiment en lui, on croit tous en lui. Je ne me suis jamais dit que je travaillerais dans le vitrage automobile. Je suis très content aujourd'hui d'avoir gagné les championnats de France et de me retrouver maintenant au championnat du monde. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je ne pouvais pas vivre pire aujourd'hui. Une grande fierté de pouvoir représenter ma société, mon pays. 3, 2, 1, let's go! J'y vais pas pour regarder, j'y vais vraiment pour aller gagner tout simplement. Bonjour, moi c'est Jérôme, bienvenue au centre Carglass de Vaux-en-Velin. Je suis champion de France du changement de vitrage automobile et bienvenue à l'atelier où je m'entraîne pour préparer les championnats du monde. Donc là, on va partir sur la préparation du vitrage. Je ne me suis jamais dit que je travaillerais dans le vitrage automobile. Ça a été une découverte pour moi quand j'y suis rentré. Le matin, quand je me lève, je suis heureux de me lever pour venir travailler parce que c'est un réel plaisir, mon métier en lui-même, mais de pouvoir rendre service au client et lui résoudre son problème au plus rapide. Je suis très content aujourd'hui d'avoir gagné les championnats de France et de me retrouver maintenant au championnat du monde vis-à-vis de 30 autres pays. Ça va être une belle compète. Cette corde, elle va venir couper la colle qui est entre le vitrage et la tôle. Toute la colle a été coupée. On n'a plus qu'à retirer l'ancien vitrage et c'est tout bon. Le jour de la finale à Barcelone pour le championnat du monde, le changement de pare-brise, lui, sera prévu en 90 minutes. Le temps, il joue beaucoup parce qu'il y a un temps à respecter, comme dans tout métier, on doit quand même respecter un temps, mais il y a plein d'autres petits points qui vont venir être cherchés après. Il y a plein de choses techniques qui vont permettre de départager à la fin chaque concurrent. J'ai envie d'aller jouer et d'aller défendre nos belles couleurs et de gagner. On est arrivé au terme de l'intervention. Le véhicule est propre, nettoyage intérieur, vitrage changé. Il n'y a plus qu'à rouler maintenant. Dans cet atelier ou même au bureau, on a cette envie de s'aider et s'entraider tous les jours. Pour se dépasser et surtout pour pouvoir servir dans les meilleures conditions de nos clients. Il lâche rien du tout, c'est un compétiteur. Donc ça ressemble vraiment aujourd'hui à l'esprit de l'équipe parce qu'on est à son image clairement. Et aujourd'hui, c'est une grosse fierté parce qu'on voit qu'il se dépasse pour ça et qu'il emmène l'équipe avec lui. Et nous, en tout cas, on est derrière lui, ça c'est clair. C'est vraiment une fierté de travailler avec Jérôme quotidien. Il nous apporte beaucoup dans l'équipe. Il nous apporte déjà la sécurité, il nous met dans de bonnes situations pour travailler. Ça fait toujours plaisir à entendre. Si je fais les choses aujourd'hui, je les fais pour moi. Mais maintenant, si je peux partager mes expériences, mes connaissances, mes petits plus, c'est toujours un grand plaisir. Et j'adore ça, transmettre en fait. Le déroulé d'aujourd'hui, c'est de vivre en avance ce qu'on va vivre au championnat du monde à Barcelone, avec les mêmes conditions, les juges, le monde. On va partir sur plusieurs épreuves. La première qui sera la réparation d'impact, on aura 45 minutes pour la réaliser. Une dépose-repose de lunettes, 75 minutes. Et l'épreuve phare, le changement de pare-brise, on aura 85 minutes. J'ai la chance d'avoir Olivier qui est à mes côtés. C'est un concurrent que j'apprécie beaucoup parce que c'est un compétiteur. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir du monde en face et de me pousser en fin de compte dans mes retranchements. Je vais démarrer là par la réparation d'impact. On va injecter de la résine pour pouvoir le remplir et le combler. Ce qui est agréable dans cette compétition, c'est de vivre notre quotidien de tous les jours. Sur la réparation d'impact, en fin de compte, ils regardent tout. Ils vont regarder vraiment déjà si on donne toutes les informations au démarrage. Ce qui est important, c'est de pouvoir contrôler à chaque instant que la résine, elle rentre bien à l'intérieur. 3, 2, 1... Jérôme a restitué son véhicule. J'ai commencé ma carrière, on va dire, dans le foot. J'ai eu la chance de démarrer à l'âge de 4 ans et demi jusqu'à l'âge de 27 ans. À un moment donné, moi j'avais un manque en ma vie personnelle de compétition. J'ai vu ce championnat se présenter à moi et je me suis dit pourquoi pas, j'ai besoin de me surpasser, de me dépasser chaque jour. Quand je dépose la lunette, il y a une cale en fin de compte qui refuse de se retirer correctement. Oh mais c'est un truc de fou là! Si ça casse à ce moment-là, on peut perdre beaucoup de temps. Qu'est-ce que j'ai fait là? Messieurs, dames, Olivier a déposé sa lunette. Voilà qui met un peu la pression, hein, puisqu'il l'a fait avant
Jérôme. Malheureusement, déjà avec cette cale, j'ai perdu du temps. Donc j'ai fait en sorte d'en perdre le moins possible. Le temps, en fin de compte, moi, je l'ai en tête par rapport à ce que je fais à l'entraînement. Donc je sais si je suis bien ou pas. Donc je savais, en fin de compte, que j'étais sur la bonne ligne, que j'avais pas de stress à avoir. Et ça y est, la lunette arrière est déposée. Bravo, sous les applaudissements. Et Jérôme, donc alors, on fait comme on a dit, on se relaxe, on reste concentré, donne du plaisir, il fait top plaisir. Je m'occupe de la préparation mentale de Jérôme, notre champion. En fait, c'est tout simplement lui faire garder son calme en tout temps, le faire accélérer, avoir plus confiance en lui, faire abstraction de tout ce bruit ambiant et d'être prêt mentalement à aborder cette compétition. On aimerait bien qu'il finisse premier, la France n'a jamais gagné jusqu'à présent cette compétition. On espère qu'effectivement Jérôme réunira l'ensemble des compétences nécessaires et tous ses atouts pour nous emmener sur la première marche du podium. J'ai hâte d'être à Barcelone, de vivre ce grand moment, mais en tant que compétiteur vraiment. J'y vais pas pour regarder, j'y vais vraiment pour aller gagner tout simplement. Au changement de pare-brise, on va partir sur une réception client. On va partir ensuite sur le changement du pare-brise en lui-même, des poses du pare-brise, donc avec démontage tout ce qui est extérieur, démontage intérieur, découper le pare-brise, recoller le nouveau vitrage et repartir sur le remontage intérieur-extérieur. Je vous rends votre clé. Et bonne Merci. Journée à vous. Content que ça soit fini. Raid. Un bon moment. Après, voilà, c'est... C'est des voitures qui ne sont pas connues du tout, parce qu'on ne les a pas vues encore dans le réseau. Elles ne sont pas encore passées, donc on ne voit pas trop comment démontager tout ça. Mais après, c'est encore une fois, je me fais piéger avec une petite cale de pare-brise, et ce qui fait que la corde, elle casse. Donc, on va dire que je ne pouvais pas vivre pire aujourd'hui. Casser la corde, et puis après, recourir pour pouvoir récupérer et revenir dans les temps, et tomber pile dans les temps. Bienvenue à Barcelone pour les championnats du monde. Avoir la chance de porter ce grand drapeau et de défiler avec 30 autres pays, c'est une fierté. On va dire que c'est peut-être le moment le plus émouvant où là on sent vraiment que le cœur il bat relativement fort. J'ai la chance de pouvoir faire voir en fin de compte à tous les pays ce qu'on fait en France, comment on travaille en France et qui on est vraiment. On lance la première épreuve, la dépose repose de la lunette arrière. On sait les petits pièges qu'il peut y avoir à certains endroits. La seule chose qu'il va falloir bien faire, c'est être dans le bon ordre et surtout réussir à rentrer dans le temps imparti. Parce que c'est un temps qui est relativement court, donc il va falloir pas traîner aujourd'hui. Alors Jérôme, je le sens concentré, il est focus sur son activité de remplacement de lunettes. Le timing, il est bien. La découpe a été effectuée sans grande difficulté. Content. Maintenant, on aurait toujours voulu faire mieux, mais maintenant c'est fait. Je suis content de ce que j'ai fait. On tourne la page et on passe à la prochaine de cet après-midi. Donc là, on va partir sur le remplacement d'une vitre latérale. Donc ça reste, on va dire, mon petit domaine. Je vais démarrer en fin de compte l'épreuve que je préfère et l'épreuve que je dois maîtriser le mieux possible. Il peut toujours y avoir un problème, donc. Je reste quand même relativement posé, sans me mettre trop de pression et en me disant qu'il faut faire attention quand même. Ça fait partie en fin de compte des rêves qu'on a quand on est jeune, de pouvoir à un moment donné représenter son pays, quelle que soit la forme. Le goût de la compétition, je l'ai vécu dès que j'étais tout petit. Mes parents étaient dedans, mon père était énormément dans le monde du sport, il vivait aussi la compétition, donc je l'ai suivi en tant que supporter au début. J'y suis rentré après en tant que jeune. Quand je fais quelque chose, je suis un peu un mauvais perdant, j'aime pas perdre. Je fais en sorte de tout faire pour gagner. La délégation française est venue en force. Ça fait plaisir, ça fait du bien. On sent l'émulsion qu'il y a autour du stand, on sent les personnes qui sont présentes. On peut faire comprendre aux gens notre passion du métier, parce que oui, c'est une passion. Et le vivre aujourd'hui comme ça avec eux et leur faire partager, c'est un réel bonheur. Je le partage aussi avec ma femme qui a la chance de pouvoir voir en fait ce que je fais tous les jours. Ça me permet d'avoir ma base avec moi, parce que ça me permet aussi de redescendre entre chaque intervention et d'avoir le petit support qu'on a d'habitude à la maison. Il finit par
le plus dur, le plus gros, et là, il faut qu'il donne tout. Et voilà, je pense qu'il a soufflé un bon petit coup, il s'est dit, c'est bon, j'y vais, c'est la chance de sa vie, quoi. Donc, non, j'y crois vraiment très, très fort. Et il est très bon. Très, 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 très fier de lui. Et ses filles aussi sont super fières. Elles sont juste derrière et elles regardent à fond. Tout le monde est à fond derrière lui. C'est... Oui, je suis très heureuse pour lui. C'est vraiment quelque chose de super pour lui. Donc, très contente. Tout va se décider sur cette dernière épreuve qui compte le plus. Et je suis vraiment très confiant. Et il y a plein de gens autour et les messages de tout le monde sont super sympas. Ils croient vraiment en lui, on prend tous en lui. C'est vraiment un vrai compétiteur qui a vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Ça restera gravé, oui, c'est sûr et certain, parce qu'en fait, ça m'a fait grandir. Aujourd'hui, la personne qu'on peut voir durant les interventions, c'est pas la même personne qui a commencé l'aventure, parce que j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai appris, et je suis content parce qu'aujourd'hui, je vois que j'ai changé, et je vois que j'appréhende les choses avec la même passion, la même envie, mais différemment, et c'est mieux perçu, donc tant mieux, parce que le travail a bien payé, et cette aventure, ça restera mon aventure avec ma petite famille maintenant, mais ça sera une super aventure qui restera, oui, ça c'est sûr.